Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur des combats auxquels j'ai assisté, qui étaient vraiment très très durs, à Brzeczko en août 1992. Je ne suis pas resté très très longtemps à Brzeczko puisque je suis resté moins de 24 heures. Mais j'ai failli vraiment y laisser ma peau. Slušaj, tamo ne ići, tamo, jer šišaju on. Tamo ne. Okej. Stani malo. Gađa, njihov ukuć, ne meram ti. Tuku u kuću viš, aha. Eva, polako, pređi. Pređi, samo stani na ovaj, ovdje ovaj dio. Pa ćete jedan spokrivat, pa će mi pretrčati. Šta je stani? Stani, stani, stani. Stani, 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 stani ovdje. Come here. Brzeczko, à ce moment-là, était divisé en deux. D'un côté, les milices croato-bosniaques, de l'autre, les Serbes. J'étais du côté serbe. J'ai eu une chance vraiment extraordinaire. C'était vraiment pas mon jour. Je tombe dans un trou. À ce moment-là, une balle siffle à quelques centimètres de ma tête. J'échappe à un sniper. Je ne serais pas tombé dans ce trou, je ne vous parlerai pas actuellement. Ma caméra a tout enregistré. Le sifflement de la balle, moi qui tombe, tout. Un peu plus loin, des hommes se reposent. Des coups de feu, un blessé est extrait de son poste de combat. Krtina! Pogino, sad! Da!
Une ambulance arrive. Le sniper qui m'avait loupé tire sur l'ambulance. Nous allons vers des postes avancés. En face de moi, les lignes croato-bosniaques. Tout est détruit, absolument tout. Les maisons sont calcinées. Plus rien ne tient debout. Evo idemo, krećemo. Imamo ranjenog čovjeka. Upucan, ajte ovamo. Ajte ovamo. Ne, ne, šta? Čeli je da slika? Evo, combattant dans un coin regarde des photos d'une famille. T'es fini. Où est cette famille? Nul ne sait. La guerre règne sur Brechko. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. À bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.